On est dimanche and je voulais juste faire un petit vlog because c'est juste une belle journée honnêtement, fait que ça m'a juste donné de vlogger. It's going to be a very cozy day, you know, still doing some school work parce que l'école est recommencée, so you know, this is... I'm already dying, but it's okay. En fait, ce qui me stresse le plus, c'est même pas les devoirs, c'est vraiment comme de devoir déjà savoir qu'est-ce que je veux faire pour mon projet de session. Nos profs veulent littéralement déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire, and I have no idea. She is not inspired, so... yeah. Fait que je suis un peu overwhelmed de ma journée en fait, finalement. Les oiseaux sont vraiment... intense today, but I love it. Yeah, so j'ai des lectures à faire. J'aimerais ça comme trouver mon idée de travail de session si c'est possible today. Et clean my room. Because it's like a little bit crazy. Je me suis comme... Ok, that looks cute. But, ah! That's all you get. That's all you get. This is like the ultimate fall vibes. C'est ma chandelle de chez Anthropologie. Pumpkin. Whatever. I don't know what it is, but... pumpkin glove, don't know, but it smells great. Je suis allée légèrement magasiner beaucoup ces temps-ci, because it's fall and I want to look cute for school, so first things first, this is really cute. Comment t'appelles ça? Je sais vraiment pas comment t'appelles ça, but it's kind of cute. J'ai un effet, c'est comme en V, and it's fitted a little bit. Et puis la couleur crème aussi, vraiment beau, de chez Aritzia. So, hier, je suis retournée au Aritzia and I got this really comfortable... I forgot how it's named, mais c'est vraiment nice, c'est super doux aussi. Et le petit jaune pâle, I love it. So, vous allez me voir étudier là-dedans pas mal souvent, I think so. J'ai aussi des petits nouveaux vestons, so I love them pour l'automne. C'est Zara H&M. Cette couleur-là is so dreamy. C'est genre un nude, gris. It's great. Puis j'ai celle aussi que j'ai acheté hier de chez H&M qui est un petit peu plus comme un brun gris-ish. Mais c'était le fun parce que j'ai un matching pants avec. So this is cool parce que ça veut dire que je voulais acheter un genre matching outfit. Je me suis acheté des nouveaux souliers. Oh my god, why are they so... Ew. Anyways, j'ai juste déjà acheté, je suis genre, why are you already sale? But c'est juste des nouveaux Nike. I like them. C'est juste... Oh my god, faut vraiment je les love. Great! But basic Air Force One avec le swoosh noir. Je les ai pris sur le site de Nike puis ça a vraiment pas pris longtemps donc je les aille. So... Je suis une fan de l'intervalle, if you know me. You know, mais c'est une place que j'aime vraiment la qualité puis habituellement tous les souliers me font. Comme j'ai pas trop de problèmes. Même si c'était pas celui-là que je voulais, la, comme le style, je me cherchais beaucoup des loafers. Puis dans le fond, I found these finalement qui me faisaient. They look amazing. They are so cool. So, very excited de les porter cet automne. So yeah, that's my little haul. Well, j'avais pas la mettre, mais je me suis dit que why not, vu que je l'ai acheté hier. Parce que I was looking for a basic little shoulder bag noir comme ça. Je l'ai trouvé chez Simons
It's déjà 39$, fait que c'est vraiment pas trop pire. And it's really nice pour genre tous les jours. J'en avais besoin, so that's it. That's it. So, le vibe est que je viens de faire un petit-ish ménage de ma chambre. Comme vous avez vu, c'était un petit peu whatever that was. Et puis là, faudrait vraiment que je travaille sur... Bon, en fait, faudrait que je trouve ça va être quoi mon sujet de projet de session pour mon cours de pop culture. Ben yeah. Mais là, je voulais juste ramasser pour ma chambre avant de commencer ça. Juste un café. Mania. Hi. So yeah, it's nice to be vlogging plus souvent. I mean, je sais que techniquement, j'avais jamais comme arrêté d'aimer créer puis filmer. Alors non, je pense qu'il faut juste que je trouve une nouvelle façon de l'apprécier. Alors non, puis right now, I'm loving the vibe. Je pense que c'est aussi de plus mettre pas un blocage, mais de me dire « Oh, your life is not interesting enough » ou genre des trucs comme ça, parce qu'honnêtement, rendu là, « My life is like this » genre, comme, je pense que c'est un peu normal, puis je pense que, j'en parle un peu dans mon plus récent vlog, mais je pense que la pression d'être « that girl » puis d'avoir comme tous les aspects de ta vie comme parfaitement égaux, it's not... real pour moi. En tout cas, je sais que je suis une personne justement qui est beaucoup plus introvertie. Puis on dirait que pendant le temps, j'étais comme oh, I have to be genre dans tous les sphères, genre comme the perfection, you know, genre organisée, productive, mais aussi comme have a social life et tout ça. Mais tu sais, je pense que rendu là, ma chaîne YouTube s'est juste rendue comme mon petit, comme. I don't know. Genre, j'aime ça partager justement un moment plus comme juste avec moi-même, if that makes sense. Genre, comme j'avais essayé justement au début de l'été, je voulais être plus comme partager plus ma vie sociale et tout ça. Puis justement, c'est ça qui m'a donné moins le goût de filmer. In a way, on dirait que ça fitait pas avec qui je suis vraiment. Fait que, right now I'm really happy. Juste comme enlever cette pression-là de devoir comme être quelqu'un d'autre. Puis genre, just like. This is me. C'est ça l'affaire, c'est que oui, mon esthétique va quand même beaucoup ressembler à comme that girl, ce phénomène-là, mais je pense que c'est juste parce que, en fait il n'y a pas grand raison, je pense que c'est juste ça donne comme ça que j'aime vraiment le look, mais je pense que j'ai pas vraiment à mettre une pression de comme être exactement comme ce phénomène-là. Puis je pense que je vais juste m'arrêter de mettre la pression de comme I have to make my life more interesting parce que no I don't. I don't need to.
Good morning. Let's get to work. Du texte, je vais faire un survol because this is a lot of stuff. Mais le pire, c'est que ça va être quand même intéressant parce que pour vrai, genre à date, mon cours de pop culture, ben c'est pas de la mode, juste de la mode, mais a lot of it is related to fashion. Mais comme c'est vraiment intéressant, puis juste en général, j'aime genre tout ce qui est lié à la pop culture.